salon de tatouage, là, comme vous pouvez le voir. Je m'appelle Harry Taipei, fameux organisateur de l'événement. On a convoqué plusieurs tatoueurs, jeunes tatoueurs, à venir s'exprimer. Hein. Une petite convention hein, de tatou, la mérite pas. Hein. Ça s'appelle Fafanouya tout et tatou. Pourquoi est-ce que tu es là alors? Pourquoi je suis là? Parce qu'il y a une cérémonie de tatou. Tefana à tout et tatou. Ça va, tout se passe bien pour promouvoir les jeunes artistes. Fanoui à tout et tatou. Je suis Capricorne, donc je vais me faire tatouer mon signe astrologique sur la nuque. Ouais, ronronne, hein. Il est toujours en forme. Tiari rawa pare estali me. Ai, patu piki. Oti ave. No, mam rodli. Ai. Ça impressionne. Te vraiment. Ai. Raoul, t'es tout pas pour y aller à ouais. Ouais, c'est un concours qui se situe sur le tatou multiculturel. C'est libre. Et oui, c'est la première fois que je participe à une convention. C'est une chance pour eux de se promouvoir, faire connaître leur boulot, tout ça. On va juger le gagnant sur la pièce du jour. Il n'y a pas de catégorie, c'est une seule catégorie. On va juger les trois, on prend les trois premiers. Hein. Cette année, on a un bon jury quand même. C'est vraiment l'élite de Tahiti, on pourrait dire. Donc le membre du jury est composé de moi, Tatou Bai Patou, de Tuatini Tamata et de Tana Tokurangi, qui sont du Manuya Tatou. Et éventuellement, nous avons notre Miss Engel France 2017, qui est Estelle Anania. Donc on a eu la chance de l'avoir auprès de nous comme membre du jury. Et ouais, je tire mon grand chapeau devant elle de pouvoir nous élever au plus haut. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Estelle Anania et j'ai été élue donc le 3 mars à Grenoble, Inger France 2017. J'ai l'honneur de représenter pendant un an la France et je suis très très fière donc pour mon île Tahiti. Je l'ai invitée pour marraine et elle vient parrainer notre festival. Donc sur Tahiti, j'ai été donc contactée par le festival Tatou. Donc il m'a demandé d'être la marraine de l'événement. J'ai dit oui bien sûr, donc ça fait partie de notre culture, on est fiers du tatouage. Et quand même en avant les femmes, et il faut aussi se dire en Polynésie maintenant les femmes sont plus tatouées que les hommes. Voilà, c'est pour ça. Elle est super. Elle est super gentille en plus. Juste que ben voilà, elle est là et j'aime beaucoup ce qu'elle fait quoi. Parce que vraiment elle est pour les jeunes, elle est pour aider tout ça. Et ça fait plaisir de voir des gens comme ça qui aident quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup ça, enfin, il n'y a pas beaucoup de choses ici pour les jeunes. Quoi. C'est ce que j'aime le plus au monde. C'est un plaisir d'être présent toute la semaine pour les jeunes tatoueurs. Déjà, on voit qu'ils se donnent à fond, ils y mettent leur cœur et je leur dis encore à tous félicitations. Il ne faut pas dormir. Ah, il ne faut pas dormir dans la journée. Hein.